Alors, le bivouac de nuit, l'installation, la voiture qui est là, garée. J'ai foutu ma loupiote accrochée à un arbre. J'avais fait mes repères, j'avais laissé des fils dans un arbre bien à bonne distance, c'est-à-dire que j'ai jusqu'à mettre la bâche. Les fils sont déjà en place. Et voilà, je suis protégé pour la rosée. La toile de tente, on la voit pas, on verra tout à l'heure. Si on la voit à peine, on la distingue là, voilà. Et le démarrage de feu que je vais essayer de faire ici. Donc j'attaque. Tout est improvisé, je ne sais pas s'il va démarrer. Dans le pire des cas, il y a de l'essence. Pas d'essence violente, hautement inflammable, trop dangereux. Alors c'est humide. J'ai mis du papier, ça devrait être bon. On va pas s'embêter, on va y aller franco. Si je le loupe, c'est pas grave. On utilise un bois sec. Ici, c'est le corps. Il est un peu humide, ça devrait quand même prendre. Hein. Donc, j'ai pas eu besoin d'essence, ça a l'air de prendre. Hein. Par contre, ça fume. Vite fait, bien fait, au poil là. Alors, comme j'ai pas de souche, le temps d'aller chercher, il faisait nuit. J'avais prévu le coup avec du charbon de bois. Un feu vraiment improvisé mais qui prend très bien. La pierre de l'autre fois qui est restée là, il faudra que j'en trouve quelques-unes, il faut m'en avoir repéré. C'est pas de bois mais de vigne. Donc là c'est pour chauffer la bouffe. J'ai acheté de la viande. Et la petite bière, la récompense. Donc de la petite sardine, qui n'est pas encore décongelée. Qu'est-ce que je vais manger? Voilà ce que je vais manger, du beau maquereau bien frais, qui a été pêché il n'y a même pas 48 heures. On va leur mettre au frais. Et avec ça. Et je poursuivrai avec de la côte d'échine.
ça va être pour se réchauffer tout à l'heure. Donc quand la braise va être bien faite, c'est là que je pose ma bouche. La chaise de Lupus. Important. Peut-être que là on verra mieux la tente, mon emplacement. Non, pas vraiment. Eh ben dis donc. Si que j'éclaire. Ouais bon. J'ai mis le feu à bonne distance de la bâche parce que sinon. Ah oui, j'oublie l'essentiel.